Merci. La parole est à Roger Gérard Schwarzenberg pour le groupe 2RDP. Merci Madame la Présidente. J'étais attentif aux arguments développés par M. Mariton, ou à certains de ses arguments, mais je pense tout de même qu'on ne peut pas ne pas être attentif aussi à la perspective générale dans laquelle s'insère cette loi de finances initiale 2013. Bien sûr, vous nous direz que faire référence au passé, à ce que certains appellent l'héritage, est parfois répétitif ou excessif, mais enfin tout de même, c'est une réalité. Ces 600 milliards d'euros de dettes supplémentaires existent, hélas, bel et bien. Et si les comptes que nous avons trouvés étaient droits, il n'y aurait pas besoin de les redresser. Donc il y a ce budget qui effectue ce nécessaire redressement des comptes publics dont on souhaite que ce redressement s'effectue dans la justice. Bien, nous aurions préféré pour notre groupe une répartition plus pondérée entre la hausse des impôts et la réduction des dépenses publiques, même si je sais que le président de la République lui-même a annoncé pour l'ensemble du quinquennat une réduction des dépenses publiques importante sur 5 ans, donc. Mais ce budget tel qu'il est, et aussi et surtout parce que nous sommes dans la majorité et que le vote de loi de finances est un marqueur important pour l'appartenance à la majorité, nous le voterons et par conséquent nous rejetterons, nous ne voterons pas en tout cas, la motion de rejet préalable défendue avec ardeur par M. Mariton. Merci.